Alors, ce n'est pas un scoop que je vais vous donner, mais la planète va relativement mal. Et souvent, quand on parle de sa préservation, on prend le prisme de la consommation d'énergie et la consommation d'électricité plus particulièrement. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une société où on sait produire de l'électricité verte. On sait aussi que les différents mix énergétiques des différents pays ont un impact plus ou moins important sur la planète. Et on oublie souvent une des faces complètement immergées de l'iceberg. Cette face-là, c'est qu'avant de consommer un produit, eh ben, on le produit. Et cette phase de production, selon la Commission européenne, elle était à l'issue de 90% de la disparition de la biodiversité et de la pollution des eaux par l'extraction des matières premières et leur process de transformation. Alors, on peut se dire que finalement, il va falloir non seulement prendre conscience qu'on doit consommer moins d'électricité, et ça, on ne le remet pas en cause, évidemment, mais aussi réfléchir à notre manière de produire pour freiner notre impact sur la planète. L'industrie de la lumière n'échappe pas du tout à cette problématique-là. Aujourd'hui, une ampoule, de la manière dont elle est produite, elle consomme des ressources limitées, elle est produite dans des conditions très polluantes, ensuite elle dérange la biodiversité quand on l'utilise, et puis enfin, elle va produire des déchets qui sont souvent pas recyclables, en tout cas qu'on ne sait pas recycler aujourd'hui. Alors vous me direz, j'ai un discours extrêmement fataliste, et la question c'est bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que sur ce cas de la lumière-là, on éteint finalement la lumière? Alors évidemment, c'est compliqué, hein, puisque la lumière, c'est un besoin universel. Aujourd'hui, c'est le premier facteur de développement économique. Et en grande partie, l'attractivité de notre ville et la qualité de vie qu'on a reposent sur la qualité d'illumination de ces espaces. Et bah, chez GLU, on a décidé d'avoir une solution qui est toute simple, qui est d'ouvrir les yeux. On ouvre les yeux tout simplement parce que depuis 3,8 milliards d'années, la nature est capable de produire de la lumière biologique. Et que nous, aujourd'hui, on a la capacité et les outils biotechnologiques pour reproduire et imiter cette lumière en créant du coup une source de lumière biosourcée et biodégradable à partir de ces micro-organismes marins. Alors chez GLUI, bah, on a foncé. Depuis 6 ans, on travaille dur pour transformer l'industrie de la lumière en la basculant vers la bioéconomie pour la mettre au service de la ville de demain. Aujourd'hui, GLUI, c'est une technologie brevetée de production de bioluminescence en continu à partir de micro-organismes marins. Si on peut résumer, finalement, on cultive notre propre lumière vivante dans nos laboratoires. Aujourd'hui, ça fait 1 an maintenant que notre premier système continu est en test dans un hôtel près de Lyon. Et on a signé notre premier contrat de marché public innovant avec la ville de Rambouillet pour expérimenter le premier mobilier urbain bioluminescent de signalétique au monde. GLUI, c'est aussi un très fort soutien européen, puisque en 2020, on a été sélectionné et choisi par la Commission européenne dans le cadre du Green Deal pour transformer notre industrie avec un financement de près de 3 millions d'euros. Et puis, GLUI, ce n'est pas seulement un rêve et une vision. Ce sont aujourd'hui plus de 40 projets très concrets sur lesquels on travaille au quotidien avec nos équipes, avec des aménageurs, des opérateurs de lumière, des municipalités, des conseils régionaux, afin d'intégrer la bioluminescence dans leur plan de rénovation urbaine. GLUI, c'est aussi une équipe de 15 personnes, hyper talentueux, hyper passionnés, un petit peu rêveurs, qui ont 3 objectifs pour transformer le monde de demain. Le premier, c'est de continuer à améliorer cette technologie pour la rendre de plus en plus robuste, de la plus en plus opérable possible pour l'intégrer dans la ville et compétitive économiquement avec nos systèmes actuels. La deuxième étape qui est en cours aujourd'hui, c'est vraiment le projet pilote, démontrer que ce modèle, il est possible et qu'on peut le développer. Et enfin, évidemment, transformer tous ces beaux projets en contrats pour le déployer à l'échelle de la planète. GLUI, c'est aussi une entreprise qui a subi la crise, comme beaucoup d'entre nous, puisque nous avions développé des secteurs comme l'événementiel et l'hôtellerie, qui sont aujourd'hui complètement dévastés. Et on a réussi à persévérer, à se recentrer, notamment grâce au soutien de la Commission européenne, pour concentrer toutes nos énergies, l'énergie de toute l'équipe, vers notre but à long terme. Alors ce but à long terme, c'est quoi? C'est de faire de la bioluminescence une alternative durable pour la ville de demain, créer des villes qui sont plus sobres, énergétiquement parlant, pour dessiner un nouveau modèle et s'inspirer de ce qui se fait dans la nature. On se rend compte finalement qu'aujourd'hui, la manière dont on travaille fait qu'on essaye d'adapter notre planète à nos industries, alors que finalement la réponse, elle est plutôt d'essayer aujourd'hui d'adapter nos industries à la planète. On pense qu'on est probablement la dernière génération à pouvoir opérer ce changement, donc prière à tous ceux qui pensent que c'est impossible de laisser la chance à ceux qui essaient de continuer. Merci.